Bonjour, bonjour, mes frères guinéens. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Nous devons mettre nos yeux sur l'heure. Nous devons comprendre que le temps n'attend pas l'homme. On ne peut pas rattraper les heures perdues. Les Guinéens Niamey, les Guinéens Miri, Ntana Rajano, le motivateur. Le silence qu'on entraîne de garder en Guinée est très plein, est très plein. Ce silence est très plein de la vie. Ce silence, nous savons que ce silence signifie beaucoup de choses, mais il n'est plus l'heure de la crainte. Nous devons nous exprimer. Nous devons parler afin que nous puissions instruire notre jeunesse aujourd'hui perdue, afin que nous puissions édifier notre jeunesse aujourd'hui détournée du bien, de notre culture, du bon comportement, de la bonne éducation. L'heure a sonné. Il n'est plus l'heure aujourd'hui de se taire. Unkata, unabadundulima. Je comprends un peu. Ça ne nous reflète pas. Ce n'est pas ce que nous voulons être, le comportement que nous voyons aujourd'hui de nos leaders politiques, les agissements, c'est-à-dire le conflit, la haine, les destructions des âmes, les détournements, les injustices. Je comprends un peu que ce n'est pas ce qui nous représente. Oui, on confond un peu c'est-à-dire le chemin qu'on doit mener. Parce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes en train d'orchestrer nous-mêmes notre déclin, notre destruction. Peuple de Guinée, les Guinéens Niamey, les Guinéens Population, les Guinéens Sage, les Guinéens Mirfani, les dignes de ce pays, les Guinéens fiers, les Guinéens justes et corrects, sortez du silence. Et coulons que c'est ce silence-là qui cause notre bassesse. Sortez du silence. Sortez du silence, parce que si vous restez dans ce silence, vous qui êtes les plus éduqués, si vous perdez de caractère, vous qui êtes les plus dignes, les plus intègres, vous êtes assis dans les bars, vous êtes assis dans vos salons, vous êtes là, vous voyez ce qui se passe, mais vous êtes là, je ne sais pas pourquoi vous êtes sceptique, je ne sais pas pourquoi vous êtes pessimiste, je ne sais pas quel est le genre de crainte que vous accumulez. Peuple de Guinée, l'argent qu'on vous distribue comme ça vient de qui et comment ils l'ont gagné. On vous a mis dans une faiblesse, dans une naïveté d'ignorance, c'est-à-dire de soumission. C'est ce qui vous nuit, peuple de Guinée. Parce qu'on a besoin de la révolution idéologique, la révolution culturelle. On a besoin de ça aujourd'hui. Parce que ce qu'on a eu, et ce qui joue sur nous aujourd'hui, la fondation qu'on a eue. Parce que voilà, Colomb, étant né Rémou Yagima, étant né Rémou Garouma, étant né incorrect là, il ne reste pas dans le silence, ils font de la mamaya, ils bilibulent, ils sont ratés, ils méritent motivés, et Nakira Fari, ils deviennent des ministres, ils deviennent des présidents. Vous qui avez le talent, vous qui avez le mérite, vous qui avez le bon caractère, vous qui êtes les plus éduqués, ou Dori, ou Dundori. Waluma Bari, Wulifalami, Fenyarabe, Nirakili, Irawungwong, Irataramara, Ifinoumamangera. En fait, on a fait qu'on a un mauvais gouvernement, on a un mauvais leadership. Pendant que vous qui êtes les sages, vous voulez pas sortir du silence pour vous exprimer, pour que Nyamara Faoufoura, Oura soto. Imaginez-vous en Guinée, vraiment, celui-là est trop sage, il est trop musulman, il peut faire la politique. Il n'a même pas les Guinéens. Donc attendez. Voilà, vous êtes en train de lire les malfaiteurs. Vous voulez que celui-là soit méchant, qu'il soit mécréant, comme ceci, qu'il soit, c'est-à-dire, un raté, comme ceci. On est loin des phalanges des Guinéens, mais wa moto wa ma ala gamé wa lina gamé wa ma wa ma fani na wa ma wa ma ni nyaro ni na wa ma wa ma ala gamé na wa ma wa ma kafri na wa ma ou ma fille coubira bana ou ma koua fille faïra bana ou ma ou amirina ou ma qui est humble ou vous voulez quelqu'un qui est gone alors on a un peu fait tout au gouvernement. Sortez du silence. Ce n'est pas le bon combat, ce n'est pas le meilleur combat.
Quand vous restez dans le silence, laissez les gens Nerebu Yagima, Emu Tarsima, Emu Alakolo, Emu Nondi Falama, Emu Panikolo, Emu Malikolo, et fait combiner donc les injustices et les mensonges ou Ralunirati au roman. Il faut évaluer les gens, regarder le statut social des gens, leur comportement quotidien dans leur famille, dans leur communauté, dans leur passé, l'historique des gens. Vous avez besoin de ça, de savoir avant de les doter de droit de leadership. Les Guinéens Niamey, sortez du silence. Au moyen, si on ne sort pas pour se dire la vérité, l'histoire nous rattrapera. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est le cumul des haineux, la vengeance des règlements de compte. Parce que on n'est pas en train de prendre le devant. Vous, les bienfaiteurs, sortez du silence, prenez le devant. Vous, les intellos, prenez le devant parce que Alpha et son régime sont les pires, les purs cauchemars de la Guinée. Alors, on a le Fria Belrama. Marissa Baka Marissa est le cauchemar de la ville de Fria. Le cauchemar de la ville de Fria. Marissa ne peut pas représenter l'image de la ville de Fria. Son éducation, son comportement, les choses qui lui sont attractives, ce n'est pas l'image de Fria. Il n'a promoté que la prostitution à Fria. Il n'a promoté que l'image et la grandeur des vagabonds de Fria. Il n'a encouragé que les vagabonds pour perdre le contrôle de Fria. Marissa est quelqu'un qui se venge pour une jeunesse perdue. Il se venge. Mais Marissa, Rouki Moufang, a tout moufang, a tina moufang. A été mon tour, ma cobre, nana fria, nana bama fria, a be cobre mara. Ou ma cobre, wa que je n'en sou ma gouvernement ira. Marissa ne peut pas faire semblant devant vous. A fou ou mal, ou voulez faire, ou koubi a fait, koubi a fait. Autant n'a ma sien, n'a ma gueb, alpha, Marissa me ribelbi nara. Or que il fait rien pour fria. Combien de cadres sont sortis de fria que moi je connais? Que moi seul je connais? Ou au fan de rancolo? Autant fria que. Sortez du silence. Wama si gouvernement, le futur gouvernement, aïe Marie Sanaya, mon nom a pris à représenter des billes. Toutes les villes, les gens sages, les hommes éminents, les hommes responsables, les personnes clés, les bonnes, les personnes ressources de chaque ville, sortez du silence. Comme mini dundu, ouro yete ma kenen, ouro yete ma sien, akotomri raoto, nyama raoto, taraoto, ora fanya raifala. Bagaboy yagitari na minima nara, mi kafri na minima nara, i kampanye daba, i finimangera wumpolo suru muskama yarima. Il faut que les sages, les nobles sortent du silence. Farafi que ça ne représente pas, on ne doit pas faire la politique, vous voulez n'en ex. Si vous ne vous battez pas, ta hordi, ta di fani, ta di okurri, ta kara miri, ta mer fani, si vous ne sortez pas du silence, miri nan kelma ta rama, ou la kui, village kui fi, kolontari, Il était colontari, mais Kobi, mais Donglingri n'a pas ma étiouma. On est à la révolution idéologique. Je suis là pour motiver les Guinéens dignes, les Guinéens corrects, les Guinéens qui sont de bons exemples dans leur communauté, dans leur famille, dans leur société, pour sortir du silence. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour arrêter ce comportement. Aujourd'hui, on a mon Lagnéke Malandi. Allez-y à l'extérieur. Lagnéke Malandi sont. Tout le monde est tendu. Tout le monde est à la position défensive. Et bien, on a dit que vous avez fait un souci de Yahouya. Souci de Yahouya. Belsé, c'est le bon bal de Yahouya. Non, mais vous m'avez souci que il n'en a pas. Parce que, mais il n'y a rien. Mais comme il n'y a rien, il voit maintenant qu'on ne peut même pas se rassembler. Il n'a pas l'UFDG pour la foule. Il n'a pas l'RPG pour la manière. Or que nous sommes tous des Guinéens. On est ce qu'un marketing, une étiquette mona. On est ce qu'un mosquée, une étiquette mona. On est sur la cérémonie, n'a étiquette mona. Quand on sort emprunter le taxi, n'a étiquette mona. Mais dans un temps court de campagne de 3 mois, 4 mois, 6 mois, il n'a pas organisé, alors que tout le monde est bon, et puis on a mis la foule, il m'a dit à ce temps. Une fois dans son pays, il m'a dit à ce temps. On dira Alpha, le gouvernement Alpha n'y a que les médiocres. Non, nous sommes en train d'adopter la culture de la médiocrité. D'embrasser la culture, la médiocrité, les excellents, les sages, les dignes, les intègres, les honnêtes, les élites, les gens de mérite sont dans le silence. C'est pourquoi, dans toutes les villes, regardez à Fria, nous sommes en train de promouvoir. Moi, ma part, je promote les élites de Fria.
faut mitonner comme tu m'envoies ton agenda, je fais ta promotion. On doit faire la promotion des personnes qui représentent l'image sincère, correcte, positive de chaque société. Friata Marie Samara, c'est le mauvais exemple. Marie, c'est un gon. Gonana Marie Samara. Gonara. Le monsieur-là ne mérite pas là où il est. Il faut être un Alpha Condé, il faut être un Kassori pour avoir des gens comme ça dans un gouvernement. Avoir l'autorité nationale, il faut être un Kassori, il faut être un Alpha Condé. Les deux-là, ce sont les cauchemars de ce pays. Bouri, il ne connaît que l'argent, c'est un homme d'affaires. C'est un cobre qui a tambara soto à Raymonex. Un papa gaboui tomoura les artistes les plus populaires du quartier à Kobro Souni, il en a fait parce que le colon de la Guinée, on brema me réfora, rélinama, barri, me récolon, couterre, me récolon, les peignants, les fouillantés, ou me rende pas, à papa dans le passé, ils ne valaient rien, n'a rélima, n'a tongo, alors qu'ils n'ont pas le mérite. Ils n'ont pas le mérite. Ils choisissent les gens, et moi, on dit, quand il n'a dit, papa, c'était un malhonnête qui était populaire ici, à Hadi, ou n'a tongo, c'est ce qui se passe en Guinée, sortons du silence. L'heure a sonné. Comme on ne fait pas, regardez, ils diront qu'aujourd'hui on a fermé les frontières parce que c'était un risque. Les pays voisins, par le canal des pays puissants, ils vont la Guinée déstabiliser. C'est un mensonge. C'est un mensonge. On vous dira qu'ils tiennent sur le pouvoir. Founike Mangue, Ousmane Gawal, Chef Ba, Selo Baldi. Et nous aussi qui décrions aujourd'hui. Et les injustices, on vous dira que nous sommes les anti-guinéens, nous sommes les ennemis du pays. On les arrête, on dit qu'ils sont là, ils sont en train d'orchestrer la fabrication des armes. Où est l'usine là? Ils n'ont qu'à nous montrer l'usine de fabrication d'armes. Où est l'usine là? On vous dira tout. Aujourd'hui, on n'est pas du tout Alpha Condé, c'est les gens qui l'ont rendu petit. Ils ont perdu ce sens, c'est normal. Qui sont agenouillés et tu réduis à et tu rends petit et ma béri et ça dans une position alors que tu iras avec blanc parce que Alpha c'est un autocrate, c'est un communiste. Alpha pina rabam la yatira regardez Alpha ni libéranga kumbi ni binfiko falabé il les a envoyés sur sa table. Il travaille avec eux parce que Alpha n'est pas venu d'une famille noble, il ne connaît pas la place d'honneur et autour de lui ce sont pas les gens qui connaissent l'honneur. Fi ko lon tare ne birna e ko bin ne wol mo manaxi yen ma kat kat ko sembe mi rek be mara mo ye sinara e be mara un be sinira o ma juni ne rira ba mona ko bin sa me po mai non so parce que en po fam e bara to nando wala ma wesa nando wana ko ma yete ko lon tare haram mo parce que ala kamel haram mo inara nan kala mo ala kamel haram mo inara na nan do ko mini al ko to ministre celui qui vient et distribue la fa konde va dire que bon. C'est avec fierté, on a organisé des élections, on n'a pas eu l'aide du gouvernement. Oui, Alpha Condé n'avait pas besoin de témoins. Il a proféré, c'est-à-dire aggraver le déficit national pour organiser une élection sans contrôle, où lui seul est le maître. Il a mis les résultats qu'il voulait à son avantage. Aujourd'hui, le pays est noyé. Maintenant, il veut nous imposer aujourd'hui à ce que nous soyons encore la solution de la noyade là. Son injustice et la mauvaise décision qu'il a prise, et les autres autour de lui étaient contents. Mais bon, Alpha Condé là-bas, il n'y a pas de contrôle. Donc on est lancé aujourd'hui aux campagnes, dans les campagnes. Et on est lancé aujourd'hui à faire des mobilisations. Donc, Kobro yo Kobro nana, puis chacun fait à son gré. Il m'a réussi, il millions sur ton enfant. Ils étaient contents. On a vu beaucoup de mouvements créés. Les gens n'ont pas créé, mais Alpha, chacun crée pour se faire de l'argent. Toi, tu vois, tu vois ton Kobro sur ton enfant. On ne vient même plus vous remercier. Frère, une femme, elle m'a dit ça qui est à 40 000. À mon bar, non. À go. À mon enfant, à mon enfant. Alpha, tout le monde est sorti. Il les a mis en épreuve maintenant. Il a bloqué tout. Alors, je vais vous dire quelque chose. On est dans les mains des mécréants, des injustes, des incorrects. Sortez du silence. Le pays a eu aujourd'hui des leaders qui sont les vrais cauchemars de ce pays. Il y a qui? Les cadres, venez créer un blocus. Travaillons en synergie. Les enfants d'Inba, c'est un jeune, Namara, sortez de ce complexe. Il t'a dit, tu n'es pas intelligent. Il t'a dit, 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 il t'a dit,
C'était le sage de Fria, c'était le nom des bons exemples de Fria, où une femme Fria ne sera fait. Ou bien diminuer tes mains. Marie, ça va la façon. Dans un moment, on met l'argent dans les mains d'un diable. Le pouvoir dans la disposition d'un diable. Mais rien à moi à la colonne. À part la barre mosquée, il a tant de temps. Parce que si tu es là, tu n'es pas là, si tu es là, tu n'es rien. Sinon, rien à moi, il dépend de toi. Tu ne vas jamais le connaître. Il sera subiste. Donc, ne pas la manger à son mari, ça va vous mettre à cana. Donc, ma guinée d'immi, on gagne. Ananantou Nkolo, et témoin du tourmelé, ané de Bama Sagouira. Le gardien, quand quelqu'un fait un poste, ma mari, ça l'est digne. Personne n'est pas. Il n'est entouré de personne. Il ne connaît même pas quels sont les cas de ressortissants de Fria. Il n'est entouré de personne. C'est un petit groupe qui est autour de lui. Et des vagabonds en grande partie. En pas café baratini, ni bé, ni atami marina. Le gardien, ce que Codex est en train de faire. Regardez les gens comme les Moroccans, le nouveau président de la DPJ, là c'est la jeunesse de Fria. Regardez le prophète, à un grand cours, tout va en Abafé. Voilà la politique belganama. Mais ce que nous faisons, c'est la promotion du sport, la promotion de l'éducation. Regardez les David, nous tout faisons en Abafé. Il fait tout, man, parce que le gouvernement a cobonné, c'est pas parce qu'il a un mérite, mais ça là-bas, il faut aller pour faciliter. Comme Rilina Nafama, Iskaïri, il pense que tous ces marchés, c'est là-bas. Regardez Tigidan Tinti, ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de personnes. Les Satoubari étaient à Fria. Ils étaient activistes, mais on ne vous encourage pas. On ne vous pourra encourager. Je ne vois plus Satou dans les activités. Viens, ma chère soeur. Prenez, allez-y motiver. Nul n'est parfait. Mais les bonnes intentions, là, sont à saluer. Oh, mon ami Boulet Djané. Et je viens même de voir le ciel là. Happy birthday to you, mais joyeux anniversaire. Attends, regardez ce monsieur là, Boulet Djané. Ce qu'il fait, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs comme ça là. Ok? KPC, il est de Fria. Venez aider la ville de Fria. Marie Sam ne peut pas parrainer tout à Fria. Il ne peut pas prendre Fria en otage. Ce monsieur là, Gonnara, il me rend en tombe à Bagabo et Sam autour de lui. Bandi Kumbiti, il ne montre rien d'excellence et de mérite. Donc, na bagabouy, ira yembenari saristo matanangira. Ira, c'est les gens qui sont pas stables. Radonne du son maintenant. Si tu veux dépenser l'argent pour des bonnes causes, il y a des choses à faire. Il y a des cadres. Viens, tu nous vois, on parle, on te dit ce que tu as besoin. Moutakolo. On n'est pas des ennemis. On est dans le combat d'idées. Viens, on discute, on est homme. Ta prière a fait ma wundo, on a débattu ce que nous voulons pour Fria. Nous ne sommes pas là pour diviser Fria, nous sommes là pour promouvoir l'excellence à Fria. Parce qu'on a été éduqué par l'excellence. Donc Fria, la Guinée Belgama, nous avons fait là, nous voyons la Guinée a fait, nous Fria a fait vraiment pour Fria, inclus dans l'État. Dis-nous, je fais la politique. Parce que je me bats pour la justice et pour la vérité. Et je veux qu'on continue, vous les sages, vous qui évitez là, qui hésitez là, je veux que vous allez multiplier vos efforts aussi pour parler à vos enfants. C'est-à-dire l'unité nationale, la réconciliation nationale, la vérité, l'intégrité, l'amour, la divinité, la morale perdue. Proclamez cela, dénoncez cela. On vous dira demain que la Guinée, c'est le pays qui respecte le droit de l'homme. On a le Woulinara. On vous dira demain que ce pays-là est Woulinara pour la fille. Parce que si vous ne parlez pas, c'est le mensonge qui sera la logique de ce pays. Si vous n'êtes pas prêt, accompagnez quand on fait des trucs, partagez pour que les enfants soient édifiés. Nos enfants pensent que tout le monde maintenant veut se lancer en politique. Parce que c'est la plus grande facilité de s'enrichir. Il est mieux tout le monde. Il est mieux tout le monde. Vive le président, et autour soit. Et gardez le corps. Regardez-moi les Nilo. Il est vaurien comme ça. Mais il est mieux tout le monde. Protégé par le président. Et combien de Melbanais qui ont couru derrière ce président n'ont pas eu ça, n'ont pas eu ces privilèges. Parce que c'est un président qui ne connaît pas l'honneur, qui ne connaît pas la dignité, qui ne connaît pas la justice, qui ne connaît pas la morale. C'est un président immoral, entouré des immoraux. Que Dieu nous encourage à ce que nous sortons du silence, de la révolution idéologique, pour que nous puissions sauver notre nation. Mais Friatan, sans si Kobi, pour une première fois, le plus grand cauchemar, le premier cauchemar de toute la ville de Fria, c'est Marissa.
Friaki, les bons cadres, sortons du silence, promotons-nous, pour que nous soyons à l'échiquier, c'est-à-dire dans l'échiquier national, pour briguer des responsabilités pour aider notre pays.